Salut à tous, c'est Diegoire, on se retrouve pour la suite de ce let's play de Half-Life 2. Donc, on en est... là, on s'est arrêté la dernière fois, enfin pas exactement, vu que... je reprends au checkpoint auto d'avant. Vu que la France est sauvegardée en pleine action, ce qui est pas terrible. Et on va tenter... Foiré. Putain, il m'a déjà enlevé 32 points de ma d'armure, cet enculé. On va tenter de survivre ce coup-ci, parce que la fois je suis mort misérablement. Donc là, je tente de les mettre les 3 ici, défendre ce point-là tout seul, foiré. Voilà. On va voir ce que ça donne. Foiré. Putain, mais il a enlevé la moitié de l'armure, ce con. Il arrive sans crier gare, évidemment. L'armure récupérée. Je sais pas si les ressources à récupérer de ce côté là-bas. On va y faire un œil après, peut-être. Là, on voit des bornes là, mais je sais pas si ils ont déjà utilisé ou pas. J'en tiens plus. Pareil. On va y faire un œil ici. Ah là, on peut pas y aller, hein, c'est fermé. Probablement que ça s'ouvrira quand cette séquence sera terminée. Ça c'est des... la mitraillette. Oh putain, mais non, mais d'où il sort lui? Oh là là, oh là, là. Mais n'importe quoi. C'est de la mitraillette à l'infini, d'ailleurs on va peut-être aller s'installer là-bas. C'est peut-être mieux. Si on met les trois... non, on va peut-être pas mettre les trois du même côté ce coup-ci. Prends-le. Hop. Comme ça. Chercher le dernier. Tac. Voilà. Peut-être de ce côté-là. Tac. Tac. On va voir ce que ça donne. On va prendre la mitraillette puisqu'on en a à l'infini. Hop. Je sais pas si c'est vraiment mieux que le shotgun. Le shotgun, je n'ai pas vraiment manqué, il me semble, dans les dernières vidéos. Mais bon, on va à l'infini, tant qu'on peut. Rêve. Oh putain, foiré. Non. Ça va. On est pas trop mal pour l'instant. On va attendre que la grenade commence à arriver dans la salle avant de parler. Ouais. Non. Ouais. On se perd de l'armure là. J'ai perdu pas mal d'armure. Si on n'a pas la borne pour se recharger, il va y avoir 30 points d'armure dans la borne du restant. Foiré, il a encore me toucher là. Bordel, non mais le gars. Oh là là, foiré. On s'est flingué là. On sait pas trop comment, mais on s'est flingué. Je crois que je vais les récupérer de l'armure, mais ça va être chaud. Ouais. Non. Mais non. J'en ai marre. On va rester là. Flemme d'aller là-bas. Surtout que le mitraillette, c'est bien beau d'en avoir à l'infini, mais bon. Il faut quand même quelques secondes pour tuer un soldat avec. On va rester là pour l'instant. On va voir ce que ça donne comme ça.
que je me fais prendre trop de dégâts. Je me prends beaucoup trop de dégâts. Foiré. Il les faut. Mais putain, mais. En la relevant, évidemment, ça fait tomber l'autre. Ouais, j'ai perdu mon armure là. Foiré, mais non. Pourquoi t'es à la con là? Non. Foiré. Putain, mais. Vraiment, voilà la con. Mais non, mais. Faut pas l'éviter, ça. Putain. Faut pas y arriver, hein. Bordel, non, non, non. Foiré. Heureusement que celle-là, je l'ai vu direct. Putain, qu'est-ce qu'il y a dessus là? Je planque encore un peu. Allez, va. Oh non, je prends une grenade. Voilà. Oh là là, c'est pas vrai. Putain, ce qui arrive plus. C'est le bordel. Putain, on a pas le temps d'aller chercher les tourelles. On a pas le temps d'aller les remonter. Ce qui arrive dessus. Rêve. Putain, mais en plus il lance des grenades. C'est la fête. Non mais... Oh mais regardez-moi. Oh mais sérieux là. J'ai arrêté les conneries. Il y a deux ou trois soldats qui sont arrivés en fonçant dans la salle, en tirant des coups de shotgun. Je pouvais absolument rien faire. Mais absolument rien faire. Mais ta gueule Alix, mais non, ta gueule. Tu me sers à rien. Je sais qu'il y a des soldats qui arrivent dans toutes les directions, oui merci. On va se balader un peu, plutôt que rester dans toujours au même endroit. Pour moi c'est une tactique qui va marcher encore moins bien, mais bon. Faut tout tenter. Oh je garde. Arbalète, arbalète, on va les garder plus tard. Putain mais. Oh mais faut arrêter, la mitraillette ça vaut rien du tout, on va garder le shotgun. La mitraillette ça vaut 0, il faut 3 secondes, le gars il a le temps de me tirer déjà deux fois dessus avant qu'il crève. Putain, mais non, il bouge. Oh là là. Je tire en pleine tête, il crève pas, les gars. J'en ai mal. Tiens, une fois qu'on en est à 8 minutes 45, donc je m'arrête là. C'était Diwar et je vous dis à la prochaine. Ciao.